Hillary Clinton est sortie de l'hôpital avec le sourire. L'ex-première dame a assuré qu'elle se sentait beaucoup mieux après avoir dû quitter plus tôt que prévu la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre 2001 à New York, victime d'un malaise. Un coup de chaud, a depuis précisé son équipe de campagne. De retour au mémorial de Ground Zero, Hillary Clinton est pourtant apparue les traits tirés et le visage fatigué. Elle n'a pas quitté ses lunettes noires. Un incident déjà largement commenté sur la toile et qui risque d'apporter de l'eau au moulin de Donald Trump. Le rival républicain de Clinton ayant déjà émis des doutes à plusieurs reprises sur la santé de l'ancienne première dame des États-Unis et sur sa capacité à assumer une fonction présidentielle physiquement éprouvante.